Ma chèvrerie. Le père, c'est à moi que vous vous agressez. À quoi, papa? C'est à ma chérie. Papa Tanja, il y a un problème. Ma chérie, il n'y a pas de problème. Lorsque je t'ai vu passer, j'ai posé des pas secrets. Mon regard insolent m'a demandé de te dire je t'aime. Hé, hey, papa Tanja, tu n'es pas l'ami à mon mari. Comment peux-tu dire les choses ainsi? Ça veut dire quoi? Si ton mari ne te fait pas de câlins, laisse-moi. J'ai gardé des primes pour toi. Ça, je l'ai donné pour toi. Attends, je vous ai dit que je suis à soi pour faire des primes. Non, laisse. Koubindo, tu me fais là? Non. Tu veux que tu fasses ton voix? Koubindo, tu me fais là? Cours. Cachez-moi. Merde. Au quoi, mais? Tiens, tiens, les primes farineux. Je ne t'ai pas eu aujourd'hui. Demain, je te huirai. Je rends la femme. Même à 100 ans, l'homme doit chercher la femme. Dans le quartier-ci, où je suis le roi, non. Moi, je suis là. Tanja, ne marque même plus deux pas là-bas. Arrête-toi. Aujourd'hui, tu es attrapé. Il y a quoi? Quand tu es vieux, il faut savoir que tu es vieux. Oh. Quitte derrière ma femme. Parce que le jour qu'elle veut encore t'attraper derrière ma femme, manzienou, Allah, ma petite lapta, tu ronds ou chonquoir ma rancune. Ah ouais, il faut nous chonquoir. Je vais te défricher avec la matite. Même si tu me fais que l'ingo. Nous sommes mettre tunis là. Ah tu en fais, mais c'est ni. Mais on dit quoi, Ndjou? Moi, Djagi? Tanja, j'étais longtemps cherché, mon Dieu, meilleur aux yeux sains. Mais monsieur, au lieu de se volontier à Ouya, tu te prends pour faire qui avec, comment dire, toutes les femmes des gens dans ce quartier. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Mangrita, ma tendre, ma mou, ma mue, ma sûre épouse, m'a fait comprendre que tu lui fais des avances dans ce village. Où est-ce que tu as dit oui? Est-ce que saluer ta femme, lui donner ça, est un péché ou nous bébé? C'est des gentils dans ce quartier, on salue quelqu'un, on dit qu'on a pris sa femme. Tanja, je te parle, tu me tournes le dos. Le père là se prend comme un roi dans ce village. Toutes les femmes, il cherche. Toutes les femmes, il cherche. Mais je ne sais pas si c'est même là. Ainsi, même là. On dirait que c'est fermé. Hein? Je n'ai pas là. Depuis que nous sommes là, Taoline n'est pas là. Il a allé au champ. Il faut qu'on finisse avec l'affaire là. Ça ne va pas. Mais depuis quand j'ai recruté les gardiens pour ma maison? Taoline, avant d'arriver, nous, je tiens même en route pour partir. C'est grave. Si nous sommes aujourd'hui là chez toi, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mire, Bélo, on y est là. Barnou a eu une goutte.
Moi, je dors sans dormir à cause de ce monsieur. Ma jolie Mangrita, c'est son homme. Mais ton job, il y a mignon, il fait quasiment brûlant. Si on ne trouve pas une solution maintenant, si il prend ma femme, vous êtes le seul doyen dans ce village. Je prendrai la tienne. En tout cas, c'est moi qui vais prendre. Vous vous discutez à cause de ma mangrie? Ma mangrita? Oh mangrie. Bon. À tout seigneur, tout honneur, qu'est-ce que vous proposez, mes chers enfants? Très bonne question. Toi, tu proposes alors quoi? Bon. Vous me renvoyez la question. Ne tardons pas. Cherchons une femme à ce fameux Tonjo. S'il a une femme chez lui, ma barre mentir subentin. Très bonne résolution. Dis, qu'allons alors lui proposer? Tu peux lui proposer ta femme? Tu es malade. Proposer la femme de qui? Ma femme? Ça ne va pas. Tu pouvais proposer ta peau aussi. Depuis là, moi-même, je te vois un peu. Tu viens mal. Alors que toi-même, là, si je ne sais pas si toi-même tu es derrière, tu viens un peu mal. Bon, je propose ma femme. Je te vois venir. Ouais. Vous êtes là, au lieu de trouver une solution prompte, vous vous mettez à jacasser. C'est quoi? Vous ne connaissez pas une jeune fille vacante dont on peut proposer que nous pouvons aller draguer pour ton job et imposer cette fille à ton job? Tu as vu comme après qu'on peut le présenter. Ça va, ça va, ça va. Ne faisons pas de ça un problème. Il y a princesse au quartier. Vrai? Toi, quand tu vois princesse, tu penses que c'est la catégorie de ton job là-bas? Non. Laissons-le. Il va chercher toutes les femmes. Ne dis pas ça. Faut au moins regarder la carrure de la femme. Qui ne risque rien n'a rien. Si vous n'avez vu que princesse, qui peut peut-être résoudre le problème? Allons-y. Ndjumbati, n'invite me jouer ton job à moitié. Tu en dis quoi? C'est bon, non? C'est bon, ne perdons pas le temps. Ben, non, moi, vous ne gommez que j'ai dit mon job. Je dis que comme je parlais pour le type là, réellement, je lui vois, il lui parle de ça, il me dit qu'il doit me lancer le mousson. C'est qui? Ha. Ça, c'est la way forte. C'est comme ça qu'on vous a... La princesse! Vous entrez déjà les gens. Princesse, la princesse de qui est? Chez toi, c'est chez les gens. La princesse de qui est? Je ne vous ai pas demandé d'entrer. La princesse de qui est? C'est comme ça que vous faites. Même si quelqu'un est en train de manger chez lui, vous allez seulement venir mettre le désordre. Bon, est-ce que tu es en train de manger maintenant? Tu ne manges pas. En tout cas, vous voulez quoi? Lève-toi juste, tu nous suis. Nous voulions qu'on cause à l'insu de tout et de tous. Pardon? Causer de quoi? On peut causer ici? Quand même, ne sois pas rigide. Lève-toi, tu nous suis juste. En tout cas, si cette affaire n'est pas intéressante, vous allez payer mon temps perdu. C'est intéressant, très intéressant même. Lève-toi, on va. Viens. La princesse comme toi là. Et la princesse des pieds. Ah non. Non, non, est-ce ma chère fille, nous voulons que tu joues un très grand rôle pour nous. Vous voulez tourner le film? Non. En principe, on souhaiterait que tu deviennes la dulcinée d'un très grand notable de ce village. Alors expliquez-vous bien, dulcinée. Expliquez-vous bien. Comment nous voulons que tu meubles
la maison de Tonjo. J'ai les meubles. Non, tu deviens juste sa femme. Quoi? Oui, exact. C'est ce que nous voulons de toi. Vous parlez même de quel notable ici au village? Notable Tonjo, le grand notable Tonjo. Quoi? Le vieux père là? Ah, lui-même là, il ne peut pas venir me faire la cour. Et c'est vous qui allez faire la cour pour aller me lui donner. C'est parce que nous sommes ses enfants. Hein? L'homme, il est fatigué. Même marcher, il ne peut plus marcher. Vous êtes ses enfants et puis quoi? En principe, nous ne voulons pas que tu deviennes sa femme définitivement. Hein? Tu peux accepter être sa femme. D'ailleurs, même, on n'est même pas sûr qu'il va t'accepter. On t'impose chez lui, bam! Tu racasses, tu ravages tout ce que tu peux ravager. Et après ça, hey, tu fous le camp. Est-ce que tu es même encore nouvelle dans le métier? C'est ton métier, non, dis donc. Mais ici, me crée des problèmes. J'ai trop peur du monsieur là. Hey, quoi? N'oublie pas qu'il a l'argent. Monsieur, il a les moyens. Il a l'argent, mais j'ai trop peur du monsieur. Non, allons-y. On va essayer. Ouais. Laisse-toi aller. Ah. Laisse-toi, non? Ne fais pas comme ça, il y a des problèmes. Nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes là pour toi. Vas-y. Va même, tu prends. Moi-même, je vais te donner les choses. Oui. Ouais. Ces choses. Non, pour moi-même. On va te soutenir. Ok. Même s'il faut les mamies, on va cotiser les bidons d'eau. Tu es l'espoir, l'avenir, le fer de lance. Et même quoi encore? L'épée de chasse de ce village. Ça, vous me flattez pour me donner à ce vieux. Loumou, c'est quoi? Avance, non? Tu cales derrière comment? Oh, allons-y. Ça a déjà commencé. Non, quoi? C'est là que la fatigue. Eh, c'est pas facile. Colin. Ouais. Je vais un peu uriner, j'arrive, avancez-vous. Ok. Ok, ne dis pas. Hein. Ne dis pas. Tu vois, un bout, donc. Les copines, un bout, t'as mis me son, voilà. En tout cas, me dis quoi? Ben, quand même, un bout. Passe devant moi. Attends, Jatuno. Aïe. Vous êtes où, Mendy Mila? Me fous, Zenda. Quand vous jouez, comment? Vous êtes femme, Mendy, à où? Me gagne, je vous mets Kimi. Tanja! Tanja, tu es là? Non, mais ceci, il n'est pas normal, hein? On lui a prévenu qu'on devait venir ici avec une femme pour lui. Il disparaît comme ça, boum, comme l'éclair. C'est même bien comme il a disparu. Tiens, il fait ça. Je suis sûr que le monsieur là, il est dedans. Moi-même. Mais on rentre. Ok, bon, comme il n'est pas là, rentrons. D'accord, on rentre. Allons-y. Bon, on peut même venir un autre jour. Oui. Vraiment, même moi, je suis pas bon à lui dire. L'intelligence n'est pas synonyme de la sagesse. Mais cette fois, Mendy, où? Je ne sais pas si tu es là. Tonjo! Non, Tonjo. Bon, Mendy, vraiment. Madame, c'est. Voici ta femme, Tonjo. Vous, les gens du quartier, si je ne suis pas d'accord avec vous. Parfois, Mendy, où Mendy, il donne une chose, Tonjo. Aujourd'hui, tu es marié, Hoha. Hoha. Tu prends. Ami, bonjour, Benton, c'est fini. Tu prends. Tu vas plus chercher la femme des gens. Madame l'a dû signer de Tonjo. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui allez préparer le tard de Tonjo. Voilà. C'est fini les petites filles pour Tonjo. Nentunda. Est-ce que tu peux me faire un commentement d'agida? Tonjo. Il faut te sentir bien. Non, elle est même pas dire envoie Tonjo. Elle est belle là. Elle est convoitée par tout le monde de Tonjo. Va lever les yeux sur le rein. D'ailleurs, même les vins, je me Tonjo. Je vois. Vous pouvez partir, chérie, viens, on entre. Oh, Tonjo Nando! Mais Tonjo Nando! Oh, bah que coyé, yen,